J'ai l'impression d'être une sorte de raton laveur à côté de face à un lave-linge parce que ça fait 8 ans que je bosse sur ce livre. C'est extrêmement épuisant. Et si ça vous tombe demain, ça vous ferait très mal aux pieds parce que c'est 700 pages. Mais il faut le lire puisque c'est un livre qui avait été écrit avec le cœur, avec la tête et avec les couilles. Donc, vous n'avez pas l'impression de quelqu'un qui tourne 700 pages autour du clitoris en attendant que ça grandisse jusqu'au fer le Mont Blanc. Vous avez l'impression de voyager. Et pas autour de ce que je vous ai dit, c'est plutôt tout droit en traversant toute la Russie de Saint-Pétersbourg jusqu'au Vladivostok, en passant par Paris, par le pôle Nord. Donc vous devenez une sorte de boule perdue de ce monde et vous vadrouillez entre le désir et l'appétit comme n'importe quel auteur qui vadrouille entre Don Juan qui est le désir et Casanova qui est l'appétit. Voilà.